tout le monde et bienvenue sur ma chaîne si vous ne me connaissez pas encore. Moi c'est Aleana et voilà. Oh ma Kiki. Oui. Il y a Azel qui est avec moi. Oui. Oui, bébé. Oui. Ok, donc je sais que ça fait un moment que je n'ai pas partagé de choses, je n'ai pas filmé non plus le dernier sabbat, le Mnassar ou la masse, selon comment vous l'appelez, et selon votre panthéon et tout ça. Et parce que tout simplement ça n'allait pas. Donc voilà, il faut que je me motive. J'ai la vidéo outfit à tourner, mais pour ça, il faut déjà que je fasse le tri dans mon armoire. Donc je me suis dit, j'ai une flemme monstre de le faire. Qu'est-ce qui peut me motiver à le faire? Le filmer, simplement. Ma beauté. Ma beauté. Oui. Bonjour. Sinon, vous n'y couperez jamais le café. Je me suis sorti une nectarine jaune, deux prunes et des fraises parce que je les garde au frigo. Et pour les garder plus longtemps vu qu'il y a eu des chaleurs, même si là, le temps est dégueulasse. Mais comme ça, les fruits sont à température ambiante. Aussi, il faut absolument que je fasse mes ongles parce que là ils sont pétés, ils sont arrachés, c'est dégueulasse. Lui il a enfin repoussé à une longueur limite, donc je vais pouvoir faire, et lui c'est moi qui l'ai arraché, donc je vais tout simplement tout enlever et puis je vais mettre un nude le temps que tout soit une bonne longueur, et ensuite je ferai la... Je vais essayer de regarder des vidéos où il y a le motif que je vous ai montré en story sur Instagram. J'avais posté 6 modèles d'ongles, je vais les remettre là. C'est le 4 qui est revenu le plus, donc ça devrait pas trop être compliqué à faire. Mais voilà, je veux une bonne base, donc tant pis, même si le reste ce sont mes vrais ongles. Je vais devoir tout couper et puis je vais partir sur une base saine parce que là... C'est n'importe quoi. Ça fait partie de ce que je vais vous montrer parce que je devais faire un haul, une vidéo haul. Sauf que j'ai pas le moral. J'ai pas le moral, j'ai pas la motivation pour faire en fait. Donc ça va être dans cette vidéo aussi. Je vais vous montrer tout ce que j'ai eu. Et enfin, tout ce que j'ai eu, tout ce que j'ai reçu parce que j'ai acheté surtout. Et en ce moment, je me fais une cure. C'est avec les Sugar Beer Hair. Donc ce sont les multivitamines qui sont véganes parce que les Sugar Beer Hair, spécialement pour les cheveux, ne sont pas véganes parce qu'en fait c'est le calcium ou la vitamine D qu'ils obtiennent à partir de la laine. J'avais demandé pourquoi c'était écrit végétarien et pas vegan et Sugar Beer m'avait répondu ça. Donc voilà, donc là c'est bien vegan, c'est sans gluten, sans soja et non testé sur les animaux bien évidemment. Donc j'ai pris directement une cure de 3 mois. J'ai pris ça sur Beauty Bay. C'est un goût de fruits rouges et puis c'est un petit nounours comme ça. Donc on en prend 2 tous les matins. Et voilà, enfin 2 tous les jours et puis voilà.
déjà sur quelque chose de mieux esthétiquement. Est-ce que ce ne serait pas tout de suite beaucoup mieux? Tout de même. Bon, j'ai ces deux ongles-là, surtout celui-là qui doit repousser. Mais c'est quand même beaucoup plus propre. C'est mieux. Hein, du pipou. Avant de vous montrer contre-jour bonjour, voilà. Avant de vous montrer les nouvelles choses que j'ai, je vais d'abord faire du rangement. Je vais me motiver. Donc, faut que je range mon linge propre qu'il y a là et qu'il y a là. Parce que vu que dehors c'est humide, je vais pas mettre mon linge à sécher dehors. Faut que je passe l'aspirateur et tout ça. Enfin, je vais brûler. Et ensuite, je vais passer aux produits que j'ai à vous montrer et que je testerai dans les prochaines vidéos de ma chaîne principale. Donc comme ça, si vous n'êtes pas abonné, faites-le maintenant. Et puis pendant que j'y pense, si ce genre de contenu vous plaît, les vlogs vraiment très chill et tout, et ben n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner, à activer la petite cloche, le petit commentaire, voilà. Bon, malheureusement et bien évidemment, je ne peux pas vous laisser la musique, puis de toute façon il y aurait du bruit, mais... Ah d'accord. Donc voilà, moi je vais mettre ma musique. Hopefully ça mine pas. Alors, on va rigoler 30 secondes. Voilà. L'ampoule a lâché. Donc, vu que bah, mon dressing clairement est là, je vais pas vous faire le tri de mes vêtements parce qu'on ne va rien voir, tout simplement. Donc, je vais vous montrer en fait ce que j'ai reçu avec Azael en guest. Ouh, j'ai presque plus de batterie. Je vais pas vous montrer les vêtements, ça sera avec le tri de ma penderie en fait, tout simplement. Ça va être plus simple. En premier, donc de chez The Ordinary, j'ai pris plusieurs choses. Donc déjà, je me suis pris la solution de peeling AHA, BHA que tout le monde connaît, le fameux peeling 100. Voilà, je me suis pris ça. Ça fait un moment que je le teste. Je le mets deux fois par jour. Très bien. Pour l'hydratation, je me suis pris des aminoacides et de la B5. Parce que la vieille peau que je suis va avoir 30 ans à la fin de l'année. Pas du mois, tu te calmes. Une formule concentrée de soutien d'hydratation. Donc c'est toujours le même packaging. Là, je me suis trompée parce que je voulais le fond de teint full coverage. Sauf que j'ai pris le fond de teint light. Et c'est un fond de teint sérum. Et il est extrêmement liquide. Hop, comme ça. Il est très très liquide. J'ai pris en 1.2N. Donc c'est light neutral. Agité avant secoué. Et il y a un SPF 15. Et pourquoi j'avais pris... Ah oui, c'est parce que logiquement, j'ai 1.2Y. Donc avec des sous-tons chauds. Sauf que ça fait un peu trop chaud vu que clairement, je ne suis pas allée au soleil. Je ne vais quasiment pas au soleil. Et donc, j'ai pas bronzé. Donc, il me fallait une teinte plus claire. Donc, j'ai pris ça. Mais sauf que... Bah,
Voilà, c'est une couvrance légère. C'est le seul problème. Et j'ai pris l'anti-cerne qui est full coverage et c'est en teinte 1.1N. J'ai pris juste une teinte en dessous, 8 ml. Et pour le fond de teint, il y a 30 ml comme d'habitude. Et voilà, il vient comme ça en petit tube. Je vais le faire tout de suite. Je me suis fait un petit plaisir avec des faux cils de chez House of Lashes. Déjà, je me suis pris tous les iconiques. Donc là, ce sont les lits. Ils sont un peu plus légers si je me trompe pas. Je sais plus. Donc il y a les lits comme ça. Ça, ce sont les Iconic Luxe. Donc ils sont hyper fournis et hyper fluffy. Je les adore. Je ne les ai pas encore essayés, mais rien que de les voir, je les adore. Et là, ce sont les Iconic Mini, donc, qui sont plus courts et moins larges. Et on peut les mettre avec des lunettes. C'est pour ça que je les ai pris aussi. Les sirènes en flair. Donc, j'avais les sirènes, mais qui ne sont pas en forme flair. Donc, ça faisait une forme vraiment arrondie, donc courte, longue. Alors que là, c'est tiré sur les côtés. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de bande, c'est transparent. Donc c'est pratique si je mets pas de liner. Ça, ce sont les Noir Fairy Lit. C'est toujours pour la forme étirée. J'aime beaucoup. Nabla, c'est tout seul. Donc comme ça, c'est fait. J'ai enfin acheté le pinceau highlighter qu'on voyait partout, qui était tout le temps sold out. Et... Oh! Alors, j'aime bien le manche, comment il est. C'est fou, on dirait des vrais poils, ça me rappelle mes pinceaux quand je peignais quand j'étais plus jeune. Ensuite, de chez Beauty Bay, alors là, j'étais un petit peu con. Parce que je me suis pris la Bright Matte et la Bright. Je n'ai pas regardé en fait les couleurs. Je pensais que c'était des couleurs différentes ou qu'elles allaient toutes être... irisé ou métallisé? Non, non, non. Voilà. J'ai deux fois la même en fait. Ce sont exactement les mêmes teintes. Sauf que bah là, ce sont que des mats, absolument que des mats. Et là, ce sont les mêmes teintes, mais avec des irisés par endroit. Mais ce sont les mêmes teintes. Voilà. Comme ça, au moins, j'ai ce qu'il faut. J'ai eu en cadeau pour ma commande, parce que j'avais fait une sacrée commande, un crayon liner pour les yeux de chez Beauty Bay. C'est écrit crayon eyeliner. C'est la teinte Peacock. J'ai jamais essayé. C'est un vert métallisé. C'est vraiment très très joli. Et c'est parfait avec les cheveux que j'ai en ce moment. Un maquillage, là, c'est pour du maquillage effect. J'ai du sang coagulé gélifié de chez Meron et de chez BH Cosmetics. Ce sont des gouttes de sang à paillettes. Donc je prépare pour Halloween aussi. Parce que j'aimerais bien vraiment m'y tenir cette année de faire du maquillage à Halloween. Pour les cheveux, maintenant, j'ai enfin investi dans un vrai bonnet à teinture. Et qui est ajustable comme ça, simplement avec des scratchs. Je me suis pris 8 pinces aussi, comme ça, pour les cheveux, pour sectionner. Ça va être beaucoup plus simple qu'avec 36 000 chouchous où ça va dans tous les sens, on comprend pas ce qui se passe. Ça sera ma prochaine couleur, donc je vais faire un sondage Instagram et vous me direz si vous voulez voir un crash test. Donc, c'est la Enchanted Forest. Donc c'était la couleur que je devais faire à la base avant celle-ci, mais je n'ai pas pu attendre, donc il a fallu que je fasse ma mixture. Ensuite, on passe au piercing. Donc là, ce sont des 24 mm de chez Custom Plugs. Donc c'est de l'acier chirurgical en or rose. Donc c'est plus grand que ce que j'ai là pour l'instant. Et je me suis pris de chez Regal Rose. Alors... Logiquement, ça peut venir en plusieurs petits paquets, mais moi j'ai fait un seul paquet pour tous les produits pour réduire les déchets. Donc j'ai un colis qui est arrivé avec un petit sachet et l'autre colis qui est arrivé avec une petite boîte. Dans la petite boîte, je me suis pris pour mon Elix ce bijou qui est absolument magnifique et qui est venu avec une barre.
Et j'ai reçu une autre barre aussi. Alors, cette barre-là qui vient en plus est plus longue que celle qui est sur le bijou. Et je me suis pris ce collier. Donc c'est un cercueil de verre avec une rose dedans. Alors ils n'ont pas beaucoup d'or rose, c'est un peu le problème, mais c'est pas un or trop jaune, c'est pas un or toc. Donc, vu que ce n'est pas du toc. Et donc ça va, ça contraste pas trop avec. Il est en train de faire de plus en plus sombre. Et je me suis pris une bague absolument magnifique. Donc là, c'est la taille small. En tout cas, c'est une taille small. Mais magnifique. J'ai pris une paire de boucles d'oreilles. Ce sont en or aussi. Alors, c'est avec des fermoirs papillons. Et ce sont des crânes de corbeau. Et un dernier. Donc, c'est de chez Newer. C'est la même marque que ma ring light. Je me suis pris des panneaulettes. Va falloir que je les monte, mais voilà, comme ça. Il y a on off pour augmenter et descendre. J'ai pas du tout regardé, comme vous pouvez voir, c'est encore tout neuf. Il y a différents calques de couleurs. Je pensais avoir pris la taille au-dessus, un niveau hauteur. Comme ça. Par contre, je pense que ça va pas être assez haut, donc il va vraiment falloir que je regarde pour réagencer ma chambre. Instant. Hop, ce sera comme ça. Bon, bien sûr, il n'y aura pas là ce qu'il y a en trop, mais hop, je suis essoufflée, je n'en peux plus. Ça, faut que j'achète une étagère parce que c'est moche. Donc ça, je vais le poncer et le peindre. Ça, je vais le peindre. Ça sera en noir mat et les baguettes seront en noir irisé. Grise. Hop, j'ai mis ma plante ici. Ça, bah, je pense que je vais repeindre. J'étais censée avoir pris des trucs qui faisaient 1 mètre de haut. Ça ne fait pas 1 mètre de haut. Clairement pas. J'ai plus qu'à re-ranger. Ah, c'est génial. Bon, au moins, l'avantage, c'est que ça va être retourné complètement. Bon, bah, j'ai plus qu'à défaire tout ça, remballer. Voilà, je crois que je suis maudite de cette journée. J'ai plus de batterie, les lumières, ça va pas, l'ampoule, elle a lâché.
tout va bien dans le meilleur des mondes. Je crois que je vais arrêter ma journée là. Bon, on est la fin de la journée. Je me suis posée un petit peu devant des vidéos parce que j'étais vraiment dépitée. Mais vraiment dépitée. Je me suis même excitée sur ma peau. Le visage. Tellement j'étais énervée. Donc pour faire à manger, j'ai préparé de quoi me faire un palais de pois chiches. Pour ça, c'est tout simple. J'ai mélangé de la maïzena, de la levure diététique, levure de bière, super levure, selon comment ils appellent ça. Et bien sûr, des pois chiches. La touche du chef. C'est douceur à la base d'aceto, balsamico di Modena, ITP, saveur fuite. Donc c'est de la crème de vinaigre balsamique. J'ai mis très longtemps avant de retrouver le mot à la figue. On sent pas trop la figue, il y a un petit goût sucré, mais on... ça filmait pas. Voilà. Donc je suis en train de manger ma galette. Mon assiette ne ressemble plus à rien. Ma galette de pois chiche. Et je regarde une vidéo et voilà. Cette journée, mais rien ne va. En story, j'ai mis que c'était le vlog du seum. Je vais vraiment l'appeler comme ça. Le vlog du seum. On se retrouve dans ma salle de bain pour la fin de ce vlog. Parce que clairement, comme j'ai dit, ça a été la journée du seum. Je vais pas filmer bien sûr comment je vais me brosser les dents. Mais pour me brosser les dents, j'utilise le Carbon Fairy. Ça fait des années que je l'utilise. Non, j'ai pas besoin d'un gros peeling. Je vais juste faire le Acid Peel. Donc c'est un peeling quotidien à l'acide pour peau mixte. Phytic acid 5% et acide salicylique 1%, donc c'est de chez Revolution. Et pour sous les yeux, je mets le Target Under Eyes Serum, donc c'est 5% caféine et de l'acide hyaluronique. Voilà, c'est pour empêcher les cernes sous les yeux parce que moi je suis championne de ça. Bon, fidèle à tout ce vlog. Ma caméra s'est coupée, plus de batterie et la carte était pleine, donc je me suis dit stop, voilà, basta. Donc je me suis fait mon petit chocolat chaud, je regarde Objectif Reste du Monde, je suis plutôt contente de l'effet que ça donne. Hop. J'ai vraiment l'impression d'avoir gagné pas mal d'espace. J'ai toujours le peeling qui est en train de faire effet. Ça picote plus du tout, mais je sens que ça travaille. Donc demain, j'aurai une belle peau toute propre, je suis contente. Et voilà, donc si vous avez... Mon Dieu, je viens de me remarquer que vu que je filme avec mon téléphone, je regardais mon retour. Oh mon Dieu, c'est ignoble. Vraiment désolée. Donc ouais, voilà. Donc si vous avez aimé ce vlog du seum... N'oubliez pas de me mettre un j'aime, de vous abonner à la page et de cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous. Comme vous pouvez le voir, je suis couchée et j'ai bien mérité la douche que j'ai prise entre temps. Salut!